Donc le Cabaret Contemporain, c'est une équipe artistique de musiciens qui a pour ambition de décloisonner les genres musicaux et de montrer que ce qui compte avant tout, c'est la musique et non pas forcément des genres musicaux. L'idée, c'est de montrer que voilà, c'est de la musique, c'est une pièce qui nous est chère et ce qui compte avant tout, c'est de ne pas forcément savoir que c'est de la musique contemporaine ou de la musique actuelle. Beaucoup de musiciens du milieu électronique ont remixé Steve Reich et plus, de façon encore plus intéressante, effectivement, ont permis à leur travail d'accepter le mouvement répétitif. C'est quand même ce qu'on appelle la musique répétitive et c'est quand même ce qui est au fondement même du geste électronique encore aujourd'hui. Donc la réponse est oui, mais un des maîtres. C'est une pièce qui n'est pas si jouée que ça en France, bizarrement, alors que c'est un tube de la musique contemporaine, mais aussi qui sonne très musique actuelle, dans le sens où elle est très proche de ce qu'écoute le public, donc elle ne rebute pas forcément l'auditeur. Steve Reich travaille une notion qui nous est très chère au Cabaret Contemporain, c'est le plaisir musical. Au début, la danse était assujettie à la musique. Il y a eu aussi une période où on a voulu que la danse soit un art à part entière. Donc on a travaillé la propre musicalité du mouvement. On a voulu que la danse ne soit pas dépendante. Ensuite, il y a eu Merce Cunningham et John Cage qui ont décidé de mettre la musique et la danse complètement indépendantes. Et aujourd'hui, avec cette expérience, on a relié la relation musique-danse s'est faite à partir d'un même processus de création. Il y a eu un déclic au moment où Jackie a dit « c'est le père de la techno ». Et là, les élèves « ah, mais si c'est le père de la techno, c'est bon, on peut y aller, madame ». Donc voilà, et au fur et à mesure de notre travail, de la répétition, on sentait que les élèves rentraient de plus en plus dedans. Ils ont commencé par être habités par cette musique. Et ça s'est vraiment très très bien passé. Et je pense que maintenant, la musique contemporaine est acquise pour nos élèves. Faisons confiance en la musique elle-même, dans certaines musiques, et retrouvons le plaisir, et tout est joué.